Bonjour les hommes. Ouais. Bonjour les filles. Ouais. Les filles, vous êtes super belles. Ouais. Les hommes, vous êtes super forts. Ouais. Mais maintenant, mes amis, là, sous les caméras de mon ami Dédé, marié hiver comme été, je vois une femme. Une femme qui est charmante, qui est très proche des tresses enivrantes lui tombent sur les épaules. Je lui prédis une belle rencontre. Oh, je vois un prénom. Je vois un F-A-B-I-N-N-E. Mes amis, voici... Fabienne! Vous êtes célibataire? Oui, complètement. Fabienne est célibataire! A tout de suite, Fabienne. Car maintenant, je vois une demoiselle. Oh, une autre. Oh, je vois une couleur. Un arc-en-ciel à l'intérieur. Je vois une rencontre, c'est imminent. V-I-R-G-I-N. Virginie! Virginie, excusez-moi, que faites-vous de beau dans la vie? Je suis conductrice de bus. Conductrice de bus! Est-ce que vous mettez un soufflet avec ou sans soufflet? Non, là, je n'ai plus de soufflet. Avant, j'en ai eu un, mais là, c'est... Elle a perdu son soufflet. Mais vous êtes célibataire? Oui. Elle est célibataire! Et maintenant, mes amis, je n'arrête plus de voir tellement je vois... Ah, je vois un homme. Il est beau. Il est grand. Il a quelque chose de d'Artagnan. Arrêtez de rire, s'il vous plaît. Je vois son prénom. G-E-O-R. C'est George. 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 George, vous êtes célibataire. Malheureusement, oui. Il est célibataire, George! Enfin, je vois un homme, un autre, les filles. Il est galbé. Il a le torse bombé. Il respire la santé. C'est un peu compliqué, j'arrive pas à voir comment il s'appelle. Il a... Je vois un prénom... F-O-U... Foufoum, non. Angong Foufoum, non plus. Foufoum, je vois deux S. Ni Fous et ni Fous et ni Fous. Fous et ni. Oh, je vois... Fous et ni. Attendez, quel est votre prénom? Fous et ni. Vous avez un diminutif, non? Founz. On vous appelle Founz? Oui, tout à fait. Founz, vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire. Mesdames, Founz, bienvenue, bien sûr, dans l'univers d'Attention à la marche, mes amis. Car... Effectivement, ils sont venus chercher leur moitié sous le soleil de midi. Et pour les aider, nous leur avons, bien sûr, attribué un numéro. Founz! Quel est votre genre de femme? Alors, je dirais plutôt une femme, une brune. Une brune? À forte poitrine. Brune à forte poitrine. À taille fine. Taille fine. Et on va dire du moins sympathique. Sympathique. Founz, sous vos yeux ici, nous allons tirer au sort un numéro. L'ordinateur le tire au sort, mes amis. L'ordinateur... tombe sur le numéro, Founz.
51. Oh, foot. 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 Quel est votre prénom? Stéphanie. Stéphanie, vous disiez brune, je suis désolé, elle est blonde et gentille. Elle a quand même quelque chose que je voulais. Oui. On a... Bien sûr, si vous pouviez aller rejoindre un phone, bien sûr. Un petit bisou. Ça va? Oui, tout à fait. Voilà. C'est le tirage au sort, hein? Oui, tout à fait, je suis bien d'accord. Content, Fouz? Je suis d'accord, je suis content. Regardez comment il est content, Fouz. Fouz, il est heureux. George, devant la France, vous voyez une femme comment, vous? Oh, châtain, 1m60, un petit débardeur avec un petit nœud papillon, par exemple. Ah, le nœud papillon, il n'y a pas de nœud papillon, là. Vous avez repéré une, un nœud papillon? Enchanté. Ah, c'est elle, mais oh! Ah oui, le papillon, je crois pas, c'est elle. Yeah. Alors, numéro tiré au sort. Elle... Stop l'ordinateur, 104. Allez là-bas. Ah bah, elle a le débardeur. Débardeur, en effet. Regardez. Alors, si vous pouviez passer de l'autre côté, bonjour, on se fait un bisou. Quel est votre prénom? Mélanie. Mélanie, je vous présente George. Ouais. Ça va, George? Petit bisou. Ça va, George? Ah, parfait. Content? Parfait. Eh bien. Virginie, vous l'imaginez comment? Moi, plutôt brun, mais bon, je vais pas parler trop du physique, c'est pas le plus important, donc je dirais plutôt quelqu'un qui m'écoute, qui est attentionné, et qui me regarde toujours... Qui me fait voir tous les jours que je lui plais, quoi. Quoi? C'est ça, l'amour? Mais bien sûr. Virginie, vous êtes chauffeur de bus. Le numéro du public tiré au sort parmi les hommes présents et célibataires est le numéro... Stop l'ordinateur, 35, il est là. Oh, bah. Venez, monsieur. Ah, dis donc, il a le look, hein? Quel est votre prénom? Avi. Ça vient d'où comme prénom, Avi? Israël. Eh bien, écoutez, bienvenue. Un petit bisou à Virginie, à Avi, bienvenue. Fabienne, sous le soleil de midi, vous le voyez comment, le vôtre? Ben moi, j'ai pas passé par quatre chemins. Directeur général ou bien banquier ou... Bien. Habitant à Saint-Tropez, ça serait pas mal. Bien. Belle voiture, belle maison, enfin voilà quoi. On comprend pourquoi vous êtes célibataire. Fabienne, le numéro tiré au sort. Hello, mes amis, dans le public. 41. Qui a le numéro 41? Ah, c'est monsieur. Vous avez une belle voiture, vous êtes célibataire. Oui. Eh bien, vous rejoignez Fabienne sous les fleurs. Écoutez, tout le monde se fait un bisou. Essayez de ne pas vous rater les joues. Et bien sûr, bienvenue pour la première marche des célibataires. Fabienne, Frédéric, vous êtes prêts pour la photo? Parce que nous, on commémore l'instant. Hein. Peut-être c'est l'homme de votre vie, on ne sait pas. On sait pas. Vous prenez la pose, s'il vous plaît. Allez, prenez la pose. La main sur l'épaule, pas mal. Allez-y, voilà. Attention, souriez. Photopote, t'es prêt? Photo! Alors? Ah, vous avez fermé un peu les yeux quand même. Virginie, Avi, vous êtes prêts pour la photo? Attendez, la position. Hein, la position. Avi, vous faites quoi dans la vie, vous? Coiffeur. Coiffeur. Coiffeur, et c'est vrai que ça vous va très bien. Hein. Coiffeur, chauffeur de bus, c'est très mignon. Hein. Virginie, avis, attention, photopote, photo. Oh, pas mal. Mélanie, Georges, oh, ils ont déjà regardé Georges et Mélanie. Ils sont mignons. Attention, photopote, photo, souriez.
Vous avez fermé les yeux. Regardez. Les deux. Bah alors. Les deux en plus. Les deux. Et alors, Founz, qui est comme un Founz. Attention, 1, 2, 3, votre plus beau sourire. Photo. Ah, joli. Ça vous a plu, non, tous les deux. Première question, alors que j'envoie bien sûr le bonjour au pervers du dictionnaire, alias la culture, est représentée par Barytonus. Bonjour, mon ami. Bonjour. Les potes étant... les potes étant rentrés, la première question nous dit sur 100 Français, combien font toujours les idiots sur les photos de groupe? Les fameuses photos de groupe, tout comme Naïs Montefusco, que je connais bien et à qui j'envoie le bonjour. Fabienne, Frédéric, vous avez répondu 50 Français font les idiots sur 50, bon. Virginie, avis, votre avis justement, avis 41, bien. Mélanie, Georges... 33. Vous penchez vers 33, oui. Founz. Nous, on dirait plutôt 61. 61. Oh. 61 mmh. Oui. Vous n'êtes pas un peu... Non? Sur les photos, vous faites les idiots, vous? Oui. Oui, ça m'arrive. Ça vous arrive? Mais là, non. Hein. Vous êtes un peu encore... Les Français ont répondu... Ah bah non, 14 seulement. Mélanie, George sont les plus proches. Ah, on se fait la bise hein, quand on est les plus proches. Voilà, c'est un petit bisou. C'est vrai que Founz, vous perdez un zizi avec cette histoire. Mais je rassure la famille, Founz en gardien. Georges, la dernière chose que vous ayez perdue... La virginité. Merci. On m'apprend qu'on l'a retrouvée aux objets trouvés. Et à ce propos, en moyenne, combien d'objets sont dépensés par jour au service des objets trouvés à Paris? Eh bien, ce service est créé le 13 octobre 1893 par le préfet Louis Lépine, celui même qui a créé le concours du même nom. Question qui s'adresse à Virginie et Avi. 158. 158 objets par jour, bien. Qu'est-ce qui est tendance là pour l'été au niveau de la coupe de cheveux là, on... Ben, un peu ce que j'ai, je sais pas, je pense. Ah, ça c'est la coupe de cheveux. C'est vous qui voyez. Virginie, la coupe de cheveux, vous en pensez quoi, David? Oh bah oui, c'est pas mal, puis je vais pas dire le contraire, il m'a proposé de me coiffer tout le temps maintenant. C'est pas vrai? Si. C'est vrai? Gratuitement? Bah oui, puis en plus, j'y suis allée ce matin, j'aurais pu faire une économie. C'est plutôt sympa. Réponse de Mélanie, George, qui a perdu quelque chose il y a pas longtemps. George? 150. 150. George, je trouve que ce prénom vous va ravir. C'est vrai, vous avez une belle tête de George. Founz. 211 objets par jour à Paris. Fabienne, Frédéric. 205. Les objets par jour aux objets trouvés à Paris. Eh bien, 384. Founz, vous êtes le plus proche avec Stéphanie. Super, tout va bien. George. Vous perdez un roller pot. Question suivante. Quelle est en mètres carrés la surface minimale d'une pièce pour qu'un logement puisse être loué? Tu respires les fleurs? Hein? Ça sent bon, hein? Ah bah oui, je me doute. Avis, votre avis de la vie? 16 mètres carrés au minimum, bien. Georges et Mélanie ont répondu. 9 mètres carrés. 9 mètres carrés. Ah, le public a l'air assez content. Founz, vous habitez... J'habite Paris. Comment? J'habite Paris. Oui, d'accord. Il est sympa, ce Founz. Founz de Paris. Et vous habitez où, Stéphanie? Près de Nancy. Entre Nancy et Metz, en fait, dans un petit village. Ça vous dérange pas de venir les week-ends à Paris voir Founz? Non. c'est comment il s'appelle, votre village? Champais. Champais. C'est tout petit.
Vous habitez chez vous ou... Mais non, j'ai vendu une maison chez mes parents. Ah, vous habitez encore chez vos parents. Oui. D'accord, très très bien. À Champais. Voilà. Une question me taraude. Comment appelle-t-on les habitants de Champais? Les Malnoyés. Les quoi? Les Malnoyés. Non, ça, c'est pas possible. Vous avez répondu tous les deux. 25, c'est ça, non? 25. 25 mètres carrés. Aïe, 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 aïe. Fabienne et Frédéric, Fabienne a le sourire. Vous habitez où, vous, Fabienne? Ben, en fait, je suis étudiante à Grenoble. Ah, vous venez de Grenoble? Oui. Bien. Sinon, j'habite en Haute-Savoie. Ah, d'accord, donc c'est pas très loin, tout cela. Et combien de mètres carrés à Grenoble? 35, si mes souvenirs sont bons. 35 mètres carrés, 25. Vous avez répondu? 25. 25. Un logement peut être loué à partir d'une surface de... Et celui-ci est empoché par 9 Georges et Mélanie. Bravo. Encore un bisou, Georges, est heureux. Petit cadeau, beau cadeau, petit cadeau. C'est un porte-chéquier chacun. En revanche, pour la rentrée de septembre, chacun peut être le beau cadeau, un agenda électronique. Jaune ou orange? Orange. Orange. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, est-ce le petit, est-ce le beau? Ah, c'est le petit cadeau. Je montre qu'il y avait bien le beau cadeau dans le jaune. Mais quand même, c'était, regardez ce porte-chéquier chacun. C'est très chic. Il est mignon. Il est rigolo. C'est très bien pour vous. En revanche, nous allons regarder qui perd un pote. Aïe, 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 on va perdre. On va perdre Stéphanie et... Il y a deux potes qui s'en vont, mais quand même pour être venu à la télé, mes amis, on va vous offrir, Founce et Stéphanie, un magnétoscope chacun. Merci Founce, merci, merci Stéphanie. Merci à vous. Question... Ah, mais dites-moi, regardez, c'est la question coquine. Founs, franchement, hein, si je vous dis string, vous, pour ou contre? Pour. Qu'est-ce qui vous plaît bien dans le string? C'est vrai qu'une femme sans string, ça fait culotte de cheval, quoi. Alors, forcément... Une femme sans string, ça fait culotte de cheval. Bonjour, madame. Et pour ou contre le string, Virginie? Ah, moi, je suis pour. Vous êtes pour? Oui. C'est la question coquine. Oh là là, avec les Beach Pots. Et le seul le vrai est en tête. Il s'appelle Beach Bob the Pots. Avec un déhanché comme jamais. Sur 100 femmes, combien ont déjà vu un homme en chair et en string? Un homme en string. Fabienne et Frédéric, vous avez déjà vu un homme en string, Fabienne? Moi, non. Comment? Non. Jamais? Non. J'ai pas eu cette chance, on va dire. Vous avez pas eu cette chance du côté de Grenoble et vous avez répondu avec Frédéric? 12. 12 femmes sur 100 ont déjà vu. Virginie, vous avez déjà vu un homme en string? Oui. Oui. Vous avez déjà, Virginie, dans un bus... Oui. Au dépôt ou en pleine ville? Non, pas en ville, j'étais en service, mais j'étais bon, c'était l'heure du déjeuner, je me suis garée donc dans un cul-de-sac, quoi. Un cul-de-sac. Et donc, je me suis garée donc face au bois, et puis bon, bah, voilà, j'avais une demi-heure, trois quarts d'heure. Et alors, d'un seul coup, le public se dit, et alors? Bah, c'est, quand j'y repense, c'est marrant, quoi, c'est... Eh ben écoutez, tout le monde rêverait de le faire, je suis sûre. Eh ben écoutez, des gens nature comme vous, on les aime, Virginie. Virginie et Avi, vous avez répondu
Je sais pas, elle m'a troublé là. Bah oui, je me doute. 17. 17. Ouais, 17. Mélanie George. 53. Sarah. Un homme en chair et en string. Les Françaises ont répondu, selon notre institut de sondage officiel, à 31. Eh bien, Virginie, vous êtes la plus proche. Avec avis. Et aïe, 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 on va perdre Georges. Désolé, Hubert, votre dernier pote. On va quand même, effectivement, vous offrir un joli cadeau chacun. Je dis bien chacun. En ce milieu du mois d'août, un appareil photo numérique chacun. Et nous allons faire plus ample connaissance avec Virginie et Avi qui n'ont pas perdu un seul pote et qui monteront sur la deuxième marche. Ils seront accompagnés de Grenoble Fabienne et de Frédéric qui est à ses côtés. Founes, bon. Un petit mot comme ça avant de nous quitter, Founes. Deux petits mots de la fin. Vive la France. Avi, donc pour montrer que vous êtes souriant, sympa. Je vous ai juste mis le numéro de téléphone, vous allez être notre speaker. Hein. Bonjour, si vous voulez gagner 1000 euros, vous téléphonez, allez-y, vous prenez ça. Alors bonjour, si vous voulez gagner 1000 euros, vous téléphonez au 0-897-66-4000 mm-hmm. ou par SMS, vous tapez marche au 62-500. Vous envoyez le tout au 62-500. Voilà. La première question, on va parler d'Europe. Elle est européenne. Fabienne, le type d'Européen qui vous fait craquer. Ce serait, Fabienne. Les Italiens. Les Italiens. Les Italiens. Vous leur trouvez quoi aux Italiens ? Ils savent bien s'habiller, ils sont élégants, et puis en plus ils en sont chauds, donc les Italiens. Très bien. Virginie, un type d'Européen ? Ben, moi, écoutez, les Français me conviennent très bien. Moi, les Français me conviennent très bien. Bon. Et vous, Avi ? Alors moi, c'est pas en Europe, c'est les Brésiliennes. Ah, les Brésiliennes. Ouais, pour le string, surtout. Hein. Ah oui, bien sûr, le string, obligatoirement. Première question. Sur 100 Français, combien connaissent les noms des 15 pays de l'Union européenne ? Frédéric Fabienne, c'est vous qui commencez par répondre. Sur 100 Français 60 Moins ? Moi, je dirais 42. 42 ? Ouais. Vas-y, ça vous va tous les deux ? Il n'y a pas de souci. Bien, 42, jeu du plus ou jeu du moins, plouche ou minouche, Avi Virginie. Plus. Ouais. Plus de 42, les Français ont répondu... Ah oui, 59, c'est plus, ça commence bien pour tous les deux. Question un peu, somme toute, prime sautière, mais à la fois efficace. Virginie, quelle est la partie de votre corps qui est... La plus sensible, Virginie. Il y en a plein, mais je dirais plus particulièrement mon ventre. Le ventre. Oui. Vous, Avi, c'est le lobe de l'oreille. Vous, Fabienne, c'est le cou. Hein. Le cou. Et vous, Frédéric, ce sera le torse. Ils sont mignons les deux, hein. Question suivante. Quelle est en millimètres l'épaisseur moyenne de notre peau ? Ah, t'es là ? Sous la plante des pieds ! Ah, sous la plante des pieds. Eh bien, c'est l'endroit où elle est la plus épaisse, forcément, hein, pour se protéger. Virginie, avis ? Bah, écoutez, je dirais 4 millimètres. 4 millimètres. Bien. Fabienne, Frédéric, plus ou minus ? C'est plus. Vous dites plus. Et au niveau de la plante des pieds ? C'est un tout pile ! Avi Virginie, notre coiffeur et notre chauffeur de bus. Excellent, petit cadeau, beau cadeau. Petit cadeau, lampe tempête métallique en revanche. Beau cadeau, console de jeux vidéo, chacun. Rouge bleu, vous dites ?
la violette. Rose donc pour nous, puisque la bleue c'est l'autre, hein, c'est celle-ci. Donc, celle-ci. Et c'est... Ah, c'est le petit cadeau. Regardez, puisque dans l'autre c'était le beau. Une lampe tempête métallique, mes amis, que voici. Mais ça va bien pour vous, Avi et Virginie, puisque votre pote monte. Il monte. La question suivante est en musique. Avec Monsieur De Palmas. Nous allons parler des retraités. Tu t'ennuies, Marguerite? Eh ben oui, je vois bien. Les retraités sur 100, combien s'ennuient depuis qu'ils sont à la retraite? Frédéric, Fabienne? 52. 52 s'ennuient. Virginie? Je dirais moins. Vous diriez moins. S'ennuient à la retraite. Les retraités ont déclaré s'ennuyer à hauteur de 8%. Avi et Virginie montent sur l'escalier. Bravo à vous deux, mais une ovation pour Grenoble, Frédéric. On va vous offrir à chacun un téléphone sans fil répondeur pour la maison, pour chez vous. On vous souhaite une bonne rentrée, bien sûr, puisque c'est bientôt la rentrée. Et on retrouve eh bien deux célibataires, mais tout sourire, Avi et Virginie. Ça va mieux? Vous êtes détendu un peu? Alors bon, vous avez eu le temps de faire connaissance, alors vous pensez quoi de Virginie, Avi? Ça va, elle m'a laissé son numéro, tout va bien, ouais. Vous pensez de Avi, Virginie? Bah, il est très bien, on s'entend très bien. C'est... Ça va? Là, pour l'instant, c'est bien débrouillé, la preuve, on est toujours d'accord. Ils sont mignons, hein? Ils ne se connaissaient pas au début de l'émission et peut-être qu'ils repartiront avec 10 000 euros pour leur 250, à vous partager, bien sûr. Et... Je vous propose de monter pour tenter de doubler la mise, mes amis. Allons-y. On va commencer, je pense, facile. Lorsqu'une maman donne naissance à des octuplés, elle met au monde 6 ou 8 enfants. 8. 8, vous répondez vite, 8. 6, c'est sextuplé. Comment? 6, c'est sextuplé. D'accord. C'est déjà arrivé, 6 ou 8, réponse de... 8, mais oui! Ben justement, oui. C'était un 16 août 1979, Madame Canese, une Italienne, donna naissance à 5 filles et 3 garçons. Tout va bien, 500 euros, ça commence bien cette ascension. Les tourtereaux, nous tentons les 1000. Vous connaissez la chanteuse Madonna, ouais. Quel âge a Madonna, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui? Attention, elle a soit 42 ans, soit 45 ans. Elle s'appelle à l'origine Louise Veronica Ciccone. Ne mettons pas le 0-897-66-4000, ça marche même pendant le week-end des célibataires. 1000 euros peut-être, le téléphone du bonheur, 0-897-66-4000. Vous répondez? 45. 45 ans, réponse dans un tout petit instant. Bonjour et bienvenue dans l'univers du bonheur, de la bonne humeur. Bienvenue, bel été sur TF1 en compagnie de deux célibataires qui ne se connaissaient pas en début d'émission. Virginie, chauffeur de bus. Et Avi, notre coiffeur. Vous avez fait un sans faute. Pour l'instant, mais quel âge a Madonna, dont c'est l'anniversaire ce week-end? Question, soit 42, soit 45 ans. Vous avez répondu d'un seul élan? 45. 45 ans. Et la réponse est...
45. Bien, le petit bisou de rigueur. 1000 euros pour les tourtereaux que l'on tente de doubler sur la marche suivante. Alors, résiste. Question peut-être un peu plus compliquée, mais plus on monte l'escalier et plus c'est compliqué. Le métal le plus résistant à la chaleur fond à 1410 degrés ou à 3410 degrés Celsius. Alors on peut dire déjà que c'est le tungstène. Le tungstène, avis Virginie. 3400. Ouais. 3410 degrés Celsius. Nous nous retournons vers un endroit où il fait chaud, c'est le standard. Bonjour. Qui est là? Alors c'est Marilus. Marilus. Voilà. Marilus. Bonjour à tout le monde, hein, tout le public, tous les célibataires du public. Marilus. Ah, Marilus. Mais Marilus. Marilus, vous appelez d'où, Marilus? Alors moi, j'appelle de la Sarthe, de Précigné. De la Sarthe. Marilus de la Sarthe. Marilus, êtes-vous d'accord avec la réponse? Oui, oui, je dirais ça aussi, moi. Vous diriez cela? Oui. Si c'est la bonne réponse, Marilus, ce sont 1000 euros. Pour les tourtereaux célibataires, ce serait 2000 euros empochés. Oui, j'espère pour eux. J'espère pour vous aussi, Marilus. La réponse est 3410. Ouais, oh là là, plus ça va, plus merci. Le bisou est chaleureux. C'est excellent. Je vous adore, Jean-Luc. Hein. J'adore votre humour et tout. Vous êtes vraiment sympa. Marilus, vous me flattus. Eh bien, écoutez, j'espère qu'ils vont rester ensemble, Avi et Virginie. Oh, bah c'est mignon. Mais Avi, c'est bon, elle me ramène en bus, elle m'a dit. Ah, Marilus. Oui. Elle le ramène en bus. Ah, super. Je vous souhaite un bel après-midi, un bel été. Nous serons encore là, bien sûr, jusqu'à la fin avec ce superbe décor du mois d'août. Et je vous souhaite une belle rentrée, belle préparation de rentrée, Marilus. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. Salut, Marilus. Pour l'heure, les amoureux, 2000 euros. Vous faites un sans faute. C'est extraordinaire. Et comme dirait un camarade bien connu, dans un instant, peut-être, des 1000 euros. Et la porte s'ouvre. The Wall, le mur, destination Berlin pour 10 000 euros. Ah là là. Le mur de Berlin, tout le monde l'a connu. Vous voyez bien sûr l'image qu'il représente, mais pendant combien d'années le mur a-t-il divisé la ville de Berlin en deux parties? 10 000 euros à la clé. À la Miaou, je vous propose 18 ans. À la Miaou, en ce week-end, 28 années, il fut dressé. Ou alors, on le détruit après 38. On le détruisit, on dit, non? Oui, c'est mieux. Hein, c'est un passé simple, hein? Oui. Puisque c'est passé, on le détruisit. J'aime à le pratiquer, ce passé simple. Attention, peut-être 10 000 euros derrière 48 ans, où il divisa, hein, c'est ça, divisa. Le passé simple de diviser, c'est divisa. Oui. Bien. Vous êtes plus que parfait, Jean-Luc. Oh, je vous en prie, merci. Je sais pas du tout. Je dirais que c'est un peu trop 48. Et puis... Un peu trop 48, d'accord. Et... 18, c'est pas assez. 18, c'est mon pas intuition assez. Me dit que ça pourrait être 28, mais c'est vraiment mon intuition parce que j'ai carrément oublié ça depuis longtemps. Quoi. Première case que nous choisissons. Toi, tu pensais 28 aussi, ouais, au début. Je pensais 28. Est-ce qu'on valide 28 dans un premier temps? Premier temps. Il y a 10 000 euros pour vous, les tourtereaux célibataires. On se retourne vers Founz.
Founes et Stéphanie, est-ce que vous êtes d'accord avec 28, Founes? Non, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord, non. Bien. George, vous connaissez le mur de Berlin ou pas? Un peu. Un peu. Est-ce que vous êtes d'accord? Du tout. Non. Bien. Et enfin, Fabienne, Grenoble vous regarde. Est-ce que vous auriez choisi cette case-ci avec Frédéric? Oui. Ah, Fabienne dit oui. On se retourne pour la dernière fois. Alors, il a été détruit, et ça, c'est un indice, en 1989. Ah! Alors, il a été construit pour éviter, bien sûr, cette hémorragie entre l'Est et l'Ouest. C'est une espèce de garrot. Voilà. D'ailleurs, il était double. On dit le mur de Berlin, il y en avait deux. Il y avait une zone neutre de 150 mètres, à peu près. Attention, c'est important. Le premier choix s'est porté sur 28. Il y a 10 000 euros maintenant. Est-ce que votre cœur penche vers on garde ou penche-t-il vers on change? Pour l'instant, on a réussi. Oui. On pense qu'on va garder. On va garder. On regrettera trop si c'est pas 28. Si c'est 28 et qu'on a changé. 10 000 euros. Alors, c'est une date anniversaire aujourd'hui, 16 août, du début de la construction du mur. Maintenant, le moment est grave, comme on dit dans le Médoc. Est-ce... C'est bon, ça, grave dans le Médoc. Excusez-moi, de temps en temps, j'aime à m'égarer. C'est le week-end, c'est l'été. Première case que vous désirez dévoiler. 18, ouais. 10 000 euros derrière, 18 années, où le mur de Berlin divisa la ville. Deuxième case que vous désirez dévoiler, Avi et Virginie. 48. Y a-t-il 10 000 euros derrière 48 années de mur de Berlin qui fut détruit en 1989? Les deux entre lesquels on hésitait le plus. Vous disiez, Virginie? Je disais, c'est 18 et 48, on était sûr que c'était pas ça pratiquement. Alors maintenant, entre 28 et 38, c'est vraiment là qu'on aurait pu avoir un doute, mais on reste sur notre 28. Je dis bien 10 000 euros. Oui. Il est coiffeur, elle est chauffeur de bus. Est-ce que le 28 sera le chiffre du bonheur pour eux? La réponse maintenant, puisque la case se dévoile. Ah, mais oui! Je dis bien 10 000 euros. Vous avez de l'appréhension au début. Au début, vous étiez un peu sur la réserve. Ça va là? Super. Eh bien, écoutez, c'est génial. Avi était parmi nous et l'on peut applaudir Mrs. Virginie.